Ongalizi wa stamili fu wanzani, hamali na mnikaonga mbedunga we makatiyami. Kwa mjunga wa armari, leda hula hidrokarbir. Kunu mabahazazi mahusagashi waparwa. Ni mavama na wada hula hidrokarbir ili huja wajue ye namna wajoka udungana. Armari ezi hazi za mhuzule gashi. Mahususu do mwezi mtukufu wa Ramadhani. Avuna rungo shahidu mzima mingoni mwa ema huzaji gashi. Je suis un homme qui a été nommé. Je suis un homme qui a été nommé Hamada Zinchi. Je suis un homme qui a été nommé Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Maravilhoso.
wanzani wastamilifu kaunga mridunga wao mwishi ya haudi na uraji inamna ya kukumili wa jipanga alma umwezi mtukufu wa Ramadhani hunu ne lesukala la mbuzo ye mafura ya bo wa matimisha wa Komori ya ukayaka wanauka ya tabu ya mafura shawaja hongo warengao zene zute security za hom mbuzo hom sajaja wa ye mafura alma ilsi ya wizo pia makatianu ndoka yangari lahikio wakazi kawurungu wa shikomori na niluha shifaransa na blunge ya luha ya ulaya la société comorienne des hydrocarbures dispose de deux périodes qu'elle suit avec précaution. C'est au mois de juillet avec l'arrivée des membres de la diaspora. Et puis le mois de Ramadan. Donc la SRH essaie de gérer tout ça, parce que pendant toutes ces deux périodes, il n'y a plus de problème. Donc c'est ce qui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons convoqué les responsables des fonds de vente, particulièrement de pétrole, pour venir leur dire ce que nous avons pris comme disposition. Parce que la SRH, avec l'arrivée du mois de Ramadan, a pris certaines dispositions, notamment l'arrivée d'un pétrolier. Un pétrolier que nous avons fait une commande avec une augmentation de 40% particulièrement pour le pétrole. Ceci pour faire en sorte que le citoyen ne souffre pas pendant le mois de Ramadan. Ça ne suffit pas, le pétrole. Nous avons aussi le gaz. Le 4 mars prochain, nous attendons un gazier aussi pour éviter que le citoyen puisse souffrir tout ça dans le mois de Ramadan. Donc, la réunion d'aujourd'hui, nous avons convoqué les responsables des points de vente pour venir expliquer que nous, en tant que membres de la SRH, nous avons pris des dispositions pour faciliter le statut et qu'à leur tour, ils doivent aussi nous aider, nous épauler pour que le citoyen ne puisse pas avoir des problèmes. Donc le problème surtout pendant le problème en pétrole se base sur le fait que beaucoup de citoyens puissent venir s'enquérir de plusieurs quantités de pétrole et puis il va redistribuer cette quantité. Donc nous avons informé aux distributeurs que cette fois-ci, prenez toutes les dispositions pour que le citoyen puisse en acheter au maximum 40 litres. Parce que 40 litres, nous avons calculé que ces 40 litres peuvent suffire pour tout le mois de Ramadan. Donc, nous avons informé les distributeurs, les points de vente, de prendre les dispositions. Nous aussi, la SRH, nous allons envoyer des responsables pour faciliter l'acquisition du pétrole de notre mois de Ramadan. Donc, ce sont les dispositions que nous avons prises pour le moment. Est-ce que techniquement, vous êtes fait, parce que des fois, vous avez des problèmes de camions, de livraison, est-ce que ces dispositions sont prises? Ce sont des dispositions prises, particulièrement pour le mois de Ramadan. Nous avons élaboré un programme, peut-être 3 jours par semaine, mais à distribuer. Mais nous sommes rassurés que nous n'aurons, à moins qu'il y ait une surprise, mais du point de vue logistique, les camions de distribution que nous en avons maintenant peuvent suffire pour faire ces travaux durant tout le mois et même après le mois. Nous n'en doutons pas. Merci.